Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, mon nom c'est Gisèle. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et surtout de vous abonner et liker la vidéo, vraiment, c'est très important. Ok? Partagez, partagez. Alors, aujourd'hui, une anecdote, ce que je vous dis. Une femme qui me dit quoi? Elle me dit, Gisèle, moi je sais qu'on parle toujours, on dit toujours que ce sont les femmes parlent trop. Mais j'ai un mari qui parle plus qu'une femme. Je suis fatiguée d'avoir un mari qui parle trop. Parfois, je lui demande, tais-toi. Il parle, il parle, il parle, il parle. Je lui dis, mais comment ça, qu'est-ce que tu veux dire par parler trop? Il dit, chaque fois, il est toujours en train de s'occuper de ce que les gens font. Il est toujours en train de parler des autres couples. Il est toujours en train de parler de ses amis. Et ça me fatigue. Je dis, mais ça dépend de ce qu'il peut dire de ses amis. S'il vous parle, par exemple, de la réalisation que son ami a fait et que c'est un exemple à suivre. Il dit, non, ce sont des détails. Par exemple, elle me dit, l'autre jour, il vient, il me dit, oh, tu as vu telle personne, tu as vu comment il était habillé aujourd'hui, tu as vu comment sa femme avait mis telle chose, tu as vu comment lui-même il s'habille, tu as vu comment lui il mange, tu as vu comment il marche. J'ai dit, mais elle dit, je suis mariée avec ce gars, ça fait 5 ans. Quand je sortais avec lui, je ne voyais pas cet aspect-là. Mais depuis que nous vivons ensemble, on dirait qu'il manque, il ne sait pas quoi faire ou bien quoi dire. Il y a tellement d'autres sujets qu'il pourrait aborder au lieu de passer son temps à s'occuper des autres femmes, des autres personnes, pas seulement des femmes, de tout ce qui se passe autour de lui. Il revient à la maison, il va parler des détails aujourd'hui même de son travail. Il me dit comment telle personne allait au travail, il a mangé ceci, il a fait ceci, il parle trop, les gens sont au travail, ils font ceci. Je lui dis, mais j'ai pas besoin de savoir ça, moi. J'ai pas besoin. As-tu d'autres sujets plus intéressants? Parce que ça me fatigue. Et là, évidemment, comment faire quand tu es marié à un homme qui parle trop, qui te dit des choses qui n'ont pas de sens. Et puis un homme encore, je m'attends qu'un homme puisse parler des sujets qui sont importants, pas de s'occuper de la vie des autres. Et là, elle n'a pas tort, cette femme-là. Et je pense que cet homme, s'il passe son temps à s'occuper des détails de la vie des gens, c'est parce que quelque part, il doit s'ennuyer. Il doit s'ennuyer dans son couple. Alors pour meubler le silence, alors il raconte n'importe quoi. Alors, j'ai dit à cette femme ce que tu dois faire, ce que tu dois lui donner. Tu dois pouvoir mettre des sujets que tu aimerais que vous débattez. OK? Donc, quand tu vois qu'il va commencer à parler des détails, tu dis quoi? Tu sais l'actualité, le sujet d'actualité aujourd'hui. J'aimerais que, entendre ton point de vue par rapport à tel sujet. Tu fais la diversion et tu l'amènes vers un point qui peut aussi te faire progresser dans la vie. Qu'est-ce qu'on passe?